Du premier livre de Samuel. Les Philistins rassemblèrent leurs armées pour la guerre. Ils se rassemblèrent à Soco de Juda et ils campèrent entre Soco et Azekah à Éphèse d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent et campèrent dans la vallée du Térébinthe. Et ils se rangèrent en bataille face aux Philistins. Les Philistins se tenaient sur la montagne d'un côté, les Israélites se tenaient sur la montagne de l'autre côté. La vallée était entre eux. Un champion sortit du camp philistin, il s'appelait Goliath, il était de Gath. Sa taille était de 6 coudées et 1 empan. Il était coiffé d'un casque de bronze et revêtu d'une cuirasse à écailles. Le poids de la cuirasse était de 5000 cycles de bronze. Il avait aux jambes des jambières de bronze et un japelot de bronze en bandoulière. Le bois de sa lance était comme l'ensouple des tisserands et la pointe de sa lance faisait 600 cycles de fer.
le porte-bouclier marchait devant lui. Il se campa et il interpella les lignes d'Israël. Il leur dit, « À quoi bon sortir vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et vous des esclaves de Saül? Choisissez-vous un homme et qu'il descende vers moi. S'il est assez fort pour lutter avec moi et qu'il me batte, nous serons vos esclaves. Si je suis plus fort que lui et que je le batte, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. » Le Philistin dit, « Moi, aujourd'hui, je lance le défi aux lignes d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous combattions ensemble. » David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira le combattre. » Saül revêtit David de ses propres habits, lui mit sur la tête un casque de bronze et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit aussi l'épée de Saül par-dessus ses habits et essaya en vain de marcher, car il n'était pas entraîné. David dit à Saül, « Je ne pourrai pas marcher avec tout cela, car je ne suis pas entraîné. » Et David s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, se choisit dans le torrent 5 pierres bien lisses, les mit dans son sac de berger, dans la sacoche, et la fronde à la main s'avança contre le Philistin. Le Philistin, précédé de son porte-bouclier, se mit en marche, s'approchant de plus en plus de David. Le Philistin regarda, et quand il aperçut David, il le méprisa. C'était un gamin au teint clair et à la jolie figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi armé de bâtons ?» Et le Philistin maudit David par ses dieux. Le Philistin dit à David, « Viens ici que je donne ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Toi tu viens à moi, armé d'une épée, d'une lance et d'un javelot. Moi je viens à toi armé du nom du Seigneur le Tout-Puissant, le Dieu des lignes d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui même, le Seigneur te remettra entre mes mains. Je te frapperai, je te décapiterai. Aujourd'hui même, je donnerai les cadavres de l'armée philistine aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. Et toute cette assemblée le saura. Ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que le Seigneur donne la victoire, mais le Seigneur est le maître de la guerre et il vous livrera entre nos mains. » Tandis que le Philistin s'ébranlait pour affronter David et s'approchait de plus en plus, David courut à toute vitesse pour se placer et affronter le Philistin. David mit prestement la main dans son sac, il prit une pierre, la lança avec la fronde et frappa le Philistin au front. La pierre s'enfonça dans son front et il tomba la face contre terre. Ainsi David triompha du Philistin par la fronde et la pierre. Il frappa le Philistin et le tua. Il n'y avait pas d'épée dans la main de David. David courut, s'arrêta près du Philistin, lui prit son épée en la tirant du fourreau, et avec elle acheva le Philistin et lui trancha la tête.
Dernière lettre de Saint-Louis de Gonzague à sa mère, le 10 juin 1591. J'implore pour vous, Madame, la grâce et la consolation constante du Saint-Esprit. Sans doute, lorsqu'on m'a remis votre lettre, j'étais encore dans cette région des morts. Mais maintenant, eh bien, il faut aspirer au ciel pour que nous puissions louer le Dieu éternel sur la terre des vivants. J'espérais depuis longtemps que j'accomplirais ce voyage plus tôt. Si la charité consiste, comme dit saint Paul, à pleurer avec ceux qui pleurent, à être joyeux avec ceux qui sont dans la joie, il est nécessaire, ma mère, que vous puissiez une immense joie dans le fait que, par bonté et par faveur envers vous, le Seigneur m'annonce la véritable allégresse et la paix, puisque je ne crains plus de jamais le perdre. Je vous l'avouerai. Lorsque je médite sur la bonté divine, comparable à la mer qui est sans fond et sans rivage, mon âme tombe dans un abîme. Engloutie dans une telle immensité, elle me paraît s'égarer et ne savoir que répondre. Comment ? Le Seigneur, après un travail si bref et si mince, m'invite à l'éternel repos. Du ciel, il m'appelle à la félicité infinie que j'ai recherchée avec tant de négligence. Il veut récompenser les larmes que j'ai versées avec tant de parcimonie. Pensez-y toujours, madame, et prenez garde d'offenser cette bonté infinie de Dieu. C'est ce qui arriverait si vous pleuriez comme un mort, celui qui va vivre en présence de Dieu et qui, par sa prière, vous aidera beaucoup plus dans vos affaires qu'il ne le ferait en cette vie. Notre séparation ne durera pas longtemps. Nous nous reverrons au ciel. Nous serons unis ensemble à l'auteur de notre salut. De tout l'élan de notre âme, nous le louerons et nous chanterons éternellement ses miséricordes en jouissant d'un bonheur éternel. Le Seigneur nous reprend ce qu'il nous a prêté sans autre intention que de nous mettre dans un séjour plus tranquille et plus sûr et de nous combler des biens que nous désirions pour nous-mêmes. Je dis tout cela, c'est seulement pour céder à un désir qui me possède. Que vous, madame, et tout le reste de la famille, vous teniez mon départ pour un joyeux bienfait, et que vous accompagniez de votre bénédiction maternelle celui qui fait cette traversée jusqu'à ce que vous abordiez vous-même au rivage où résident toutes mes espérances. Je l'ai fait d'autant plus volontiers qu'il ne me restait plus rien à faire que de vous témoigner de la façon la plus évidente l'amour et le respect que je vous dois comme à un fils à sa mère.
Nous nous envolons et pour moi.
This
De la lettre aux Romains. Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre personne et votre vie en sacrifice saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous l'adoration véritable. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre pensée de façon de penser pour savoir reconnaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait.
Connu l'épreuve comme nous, et tu n'as pas péché. Prends pitié de nous, Seigneur Jésus. Tu nous appelles à un parfait amour de charité. Sanctifie-nous, Seigneur Jésus. Tu veux que nous soyons le sel de la terre et la lumière du monde. Illumine-nous, Seigneur Jésus. Tu es venu pour servir, non pour être servi. Change nos cœurs, Seigneur Jésus. Toi, splendeur de la gloire du Père et parfaite expression de son être, montre-nous ton visage, Seigneur Jésus. Oh.